Dimanche matin, bienvenue au portail en ligne avec votre espresso. Votre café, peu importe. Je me présente, mon nom c'est Sam, je suis content de vous accueillir. Je suis fier membre du portail Campus Laval parce que oui, notre église c'est une église représentée sur quatre campus Laval, Terrebonne, Saint-Eustache, Abitibi, Malartique plus précisément. Et très bientôt pour PAC 2023, on ouvre notre cinquième site qui va se situer à Montréal-Nord. On est vraiment heureux, content de cette cinquième ouverture qui va prendre place dans le cœur de la métropole. Et si tu écoutes ce matin là, pour la première fois, des choses par rapport à Dieu, par rapport au portail, laisse-moi te présenter en quelques minutes notre Église. Notre mission est super simple, c'est d'aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Jésus est le centre de tout. Si tu nous découvres ce matin et que tu aimerais en savoir plus, je t'invite peut-être à visiter d'abord notre site internet à égliseleportail.com ou aller fouiner un peu sur notre page Facebook afin de connaître les différentes heures de réunion, les adresses de nos sites. On serait vraiment content de te recevoir dans un de nos campus un dimanche matin. Ce sont des réunions qui sont ouvertes à tous. En plus de ça, notre Église offre différentes activités. Le dimanche matin, on a un service qui se nomme CLIC pour les enfants, où ils vont recevoir un enseignement, un message adapté à leur âge. Ils vont pouvoir cliquer, connecter avec Jésus, avec leurs amis, avoir un bon temps également. Notre ministère Accès pour les ados et Portail Jeune Adulte. Pour les jeunes adultes se retrouvent eux le vendredi soir les vendredis soirs à 19h30 au site de Laval des soirées incroyables où ce qu'il y a beaucoup d'amis, euh, beaucoup de gens, beaucoup de il y a même du sport, il y a beaucoup d'activités qui sont mises en place et bien sûr la bonne nouvelle de Jésus est prêchée. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez consulter leur page Facebook respective accès ou PGA, portail jeunes adultes. On a également durant la semaine des petits groupes qui se réunissent dans les maisons afin de pouvoir juste vivre leur foi ensemble, prier, parler de la parole de Dieu, s'exhorter, s'encourager mutuellement. Si vous aimeriez en savoir plus, écrivez-nous à petitgroupe au pluriel à commercialéglise .com. Et bien, bien évidemment, dans toutes ces activités-là, notre but central est toujours le même, proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est ce que vous vous apprêtez à entendre ce matin dans le message d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite un bon message. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Esther chapitre 5. Ce matin, on poursuit notre thématique sur ce livre d'Esther, Un Dieu pour un temps comme celui-ci. Et lorsque je regarde au livre d'Esther, lorsque je lis ce livre, je vois vraiment, je me sens un peu comme dans une série Netflix. Hein, souvent, dans une télésérie, pourquoi que tu as hâte à ta prochaine épisode? Pourquoi que après une série, tu veux écouter une autre série? C'est qu'il y a toujours du suspense qui est là, il y a des renversements de situation. Et lorsque je regarde à Esther, ça me fait vraiment penser à une télésérie. Et la semaine dernière, on a vu ensemble un Dieu pour ce temps d'indécision. Et juste pour vous remettre un peu en contexte, c'est euh, Mardoché qui a appris qu'il y avait l'extermination des Juifs, donc l'extermination de son peuple, du peuple de Dieu. Et là, il va faire passer un message à Esther, qui est la reine et qui est à la cour du roi. Et il va lui dire Écoute, il faut que tu fasses quelque chose parce que là, il commence à avoir un danger on va tous mourir. Et Esther est comme indécise. Et là, Mardoché, il va lui dire, écoute, si tu penses que ça ne t'affectera pas, ça va t'affecter, toi aussi, il faut absolument que tu fasses quelque chose. Et il va dire la chose suivante. Euh, ici, c'est n'est pas comme un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et là, Esther est vraiment un peu indécise et tout à coup, elle va dire, OK, parfait, toi tu jeûnes maintenant, amène le peuple à jeûner avec toi, moi je vais jeûner avec mes servantes, on va jeûner euh, ensemble. Et si je dois périr, je périrai. Elle a pris une décision pour pouvoir euh, être... Une des personnes qui va intervenir dans cette histoire dont Dieu va s'être servi pour une intervention bien particulière. Et ce matin, pour faire suite à ce message, on va regarder un Dieu pour ce temps d'intercession. Parce que ce qu'Esther a fait lorsque tu es allé vers le roi, elle a fait une intercession. C'est quoi une intercession? C'est de demander une faveur, de demander la faveur. Lorsque, si tu as des enfants, puis à un moment donné, les enfants viennent te voir, puis tu dis « Ah non, 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 pas aujourd'hui » ou « Pas tout de suite », puis les enfants vont dire « Ah, oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ». Et ils vont plaider leur cause jusqu'à temps que tu te dises « Oui ». Et l'intercession, c'est de plaider notre cause. Et Esther va venir devant le roi pour plaider une cause, non seulement pour elle, mais pour le peuple de Dieu. Et euh, ceux qui vont intercéder, évidemment, c'est des intercesseurs. Et pour que tu puisses comprendre d'entrée de jeu, l'intercesseur, c'est quelqu'un qui se met entre deux euh, personnes, un peu comme quelqu'un qui s'interpose. Et Esther est celle qui va s'interposer entre le roi et l'édit qu'il a signé pour l'extermination des Juifs et le peuple de Dieu. Donc, elle vient s'interposer pour que le peuple soit complètement libéré. Et lorsque je regarde à Esther, qu'est-ce que la Bible va nous dire sur l'intercesseur par excellence, c'est Jésus-Christ. Jésus, -Christ. Jésus la, la, la Bible va dire qu'il intercède pour chacun d'entre nous. Et ce qui m'encourage plus encore, c'est que si Jésus peut intercéder, c'est parce que lui-même s'est interposé à un moment donné, alors que nous, en tant qu'hommes, dans notre péché, nous sommes morts spirituellement. Et à cause de ça, nous sommes séparés d'avec Dieu. Mais Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il a fait le rôle d'intermédiaire, le rôle d'intercesseur. Et aujourd'hui, tu as pleinement accès à lui et, tu, euh, et il intercède pour toi au quotidien. C'est une bonne nouvelle, ça. Et ce matin, avec ce message pour ce temps d'intercession, j'aimerais regarder à cette vérité qui peut t'encourager euh, ce matin, qui peut te défier aussi. Et on va commencer à lire le verset 1 du chapitre 5. Voici ce qui est dit. Quand le troisième jour fut arrivé, donc après les trois jours de jeûne qu'Esther a fait, Esther revêtit les vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, face à la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, face à l'entrée de la maison. La première des choses, alors qu'Esther... Euh, va se, se présenter devant le roi pour intercéder. J'aimerais te dire aujourd'hui la, la première vérité. Ose te présenter devant le roi. Si tu es un chrétien ici, si tu es né de nouveau. Si Jésus t'a réconcilié avec le Père, la première chose que tu devrais faire dans les moments euh, difficiles, dans, euh, dans les moments... De... Comme on voit avec Esther, des moments vraiment difficiles d'oppression, de confusion, c'est de pouvoir te présenter devant Jésus-Christ dans l'intercession. Esther se présente dans la cour intérieure. Et je sais que de te présenter devant Dieu des fois, ça peut te rendre anxieux. Tu te dis, OK, mais là, je ne sais pas trop comment je vais me présenter devant Dieu, tout ça. Puis, Lorsqu'on on, on a à se présenter devant quelqu'un, hein, des fois, tu vas recevoir une convocation. Si ton patron dit, eh, Écoute, est-ce qu'on peut se voir deux minutes après le travail? Euh, des fois, tu pourrais dire, Je ne suis pas sûr que c'est une, <laughs> une bonne nouvelle. Si ton directeur d'école te dit, eh, Écoute, j'aimerais ça qu'on se voit après les cours, si, Je ne suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle. Si ton pasteur te dit, Écoute, il faudrait que je te vois après, tu te OK, qu'est-ce que j'ai fait? Ça ne veut pas dire que c'est une bonne nouvelle lorsqu'une y a une convocation qui est là. Mais là, Esther se présente d'elle-même devant le roi et, et je peux imaginer, peut-être qu'il y a de l'anxiété un peu dans son cœur, mais je veux juste t'encourager, toi aujourd'hui, qui connais Jésus, tu peux te présenter librement devant ton roi qui est Jésus-Christ. Maintenant, comment te présenter devant lui? Des fois, c'est des questions que j'ai, mais je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment me présenter euh, devant Dieu. Et, et, et on voit dans le texte que Esther porte des vêtements royaux. Et c'était une manière de se présenter devant le roi. Déjà que ce n'était pas certain qu'elle puisse entrer dans la présence du roi. On devait t'appeler pour que tu aies accès. Maintenant, elle met tous les vêtements royaux. Et, et, et ça me fait penser... Que comme lorsqu'on va exiger des codes vestimentaires. Tu fais un travail, tu as un code vestimentaire. Lorsque je prêche, il y a un certain code vestimentaire. Je ne viendrai pas en gaugoune et euh, en camisole <laughs> devant la caméra. J'ai un certain code vestimentaire. Et des fois, on se demande mais comment je peux venir devant Dieu Qu'est-ce que je vais dire à Dieu Et je veux juste te dire viens tel que tu es. Viens avec tes défis. Viens avec tes combats. Viens avec tes épreuves, viens tel que tu es. Et lorsqu'on parle de vêtements royaux, ça veut c'était d'une certaine façon, c'était pour recevoir être vu juste devant le roi qui est là. J'aimerais te dire que lorsque tu te présentes devant Jésus, tu es déjà juste devant lui à cause de l'œuvre de Jésus qui a été faite à la croix. Donc viens tel que tu es. Dis-toi pas, oh, je viendrai une autre fois parce qu'aujourd'hui je me sens trop sale. Viens tel que tu es. Jésus va t'accepter tel que tu es. Mais Jésus t'aime tellement qu'il veut aussi changer le, ton cœur. La bonne nouvelle, c'est quoi dans, 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 cette, dans ce premier point? Oser se présenter devant le roi. C'est que le roi... Est assis sur son trône royal. Et évidemment, on parle du roi Assuérus ici, ou Xerxes selon les versions, euh, où il est assis sur son trône royal. Mais moi, ce qui m'encourage, c'est que ce roi-là va passer. Nos gouvernements vont passer, nos, nos rois de ce monde vont passer, mais Jésus ne passera pas, son règne est éternel. Dieu règne en ce moment sur le sur le trône, et lorsqu'on dit sur son trône royal, son trône est éternel, son trône dure à jamais. Ce n'est pas quelque chose de passager pour quatre ans, puis après ça il y a une autre élection pour dire, ok, est-ce qu'on va changer de roi? Non, son règne est pour toujours. Et ça c'est une bonne nouvelle. Tu peux te présenter devant lui aujourd'hui. On continue. Verset 2. Au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle eut grâce à ses yeux. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait en main, Esther approcha et toucha la pointe du sceptre. La deuxième vérité, c'est que la prière est un acte de foi ou l'intercession est un acte de foi. On voit qu'Esther va arriver euh, debout dans la cour du roi. Et là, c'est de s'en voir. Est-ce qu'elle va être acceptée ou est-ce qu'elle va être rejetée? Lorsqu'elle disait au chapitre précédent, OK, si je dois périr, je périrai, c'est qu'elle savait très bien que c'était une question de vie ou de mort. Si le roi dit, Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas d'affaire là. Elle aurait pu mourir sur le champ. Donc, est-ce qu'il va m'accepter? Est-ce qu'il va euh, me rejeter? La prière est un acte de foi. On a besoin de faire un acte de foi. Lorsque tu pries, c'est un acte de foi que tu vas faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive. Et pour Esther, c'était un pari qui était très risqué. Et je me rappelle lorsque j'étais en secondaire 1, pour pouvoir être inclus dans un groupe d'amis, il y avait une sorte d'initiation. On m'avait dit, OK, il y avait une heure du, du midi où... Il y avait deux, trois gars qui euh, avaient des pétards à mèche. Et à un moment donné, ce qu'ils ont dit, c'est que hey, nous, on les allume, on va les mettre dans les boîtes aux lettres, puis après ça, on part en courant. Et là, il dit, si, si puis euh, là, je disais, hey, je peux avoir des pétards. Il dit, Bien, si tu veux des pétards, il faut que tu fasses les mêmes coups que nous. <laughs> Au début, je ne voulais pas, parce que c'est un peu euh, risqué, cette affaire-là. Je ne suis pas sûr que je veux aller euh, vers là. Qu'est-ce qui pourrait arriver, tout ça? Puis finalement, je dis, ok, donne-moi les pétards. Et là, j'ai pris peut-être deux, trois pétards et, et là, j'allais dans une boîte aux lettres, puis j'allumais le pétard et je partais à courir. C'est pas long, hein? C'est deux secondes, puis pouf! Ça, ça saute. Et là, à un moment donné, justement, j'en allume le j'ai à peine le temps de le lâcher, qui éclate. Et là, évidemment, ça résonne et je pars à courir. Et pendant que je cours, j'entends quelqu'un dire « Hey! » Et là, la, la personne sort et je vois qu'il rentre dans son véhicule. Je dois courir, aller me cacher, pour être sûr de ne pas être pris euh, par cette personne. J'ai fait un pari risqué. Ici, Esther a un pari risqué. Est-ce qu'il va m'accepter? Est-ce que je vais être rejeté? Est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais mourir? Et il y a trop de gens qui refusent d'être dans la prière ou dans l'intercession parce que tu te demandes, qu'est-ce qui va m'arriver? Et voici ce que Esther, euh, qu'est-ce qui arrive avec Esther alors qu'elle est debout dans la cour? Elle eut grâce. À ses yeux. Tu peux te présenter dans la présence de Dieu parce que tu as déjà reçu la grâce de Dieu en la personne de Jésus. Elle a reçu grâce. Et ce que le roi a fait, c'est qu'il a tendu le sceptre d'or. Et lorsque le sceptre était donné, c'est comme tu étais maintenant. Bienvenue. Tu peux me dire tes requêtes. Je t'accueille avec moi. Tu as pleinement accès à ma vie. Tu as pleinement accès à la cour royale. Et j'aimerais te dire, quand Jésus, tu as pleinement accès. La semaine dernière, j'ai fait une activité avec mes enfants. On est allé faire un jeu d'évasion. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Puis ça me stressait un peu. <laughs> je me suis dit, OK, j'ai déjà vu un film, jeu d'évasion, puis c'était hyper stressant. Je me suis demandé, est-ce que ça va être stressant comme ça? Et là, en fait, le but du jeu, c'est tu reçois... Des, il y a toute une histoire qui est montée et tu es dans un, 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 une première pièce où il y a différents indices que tu dois trouver. Et sur les indices, c est, c est, ça suit tout le cours de l'histoire. Puis à un moment donné, OK, tu as des clés que tu vas trouver. Tu dois euh, déverrouiller des cadenas. et d'autres fois, c'est une combinaison que tu dois trouver. Tout ça, puis euh, pour ultimement aller dans une deuxième pièce et ensuite... Euh, Terminé avec le diamant dans les mains, etc. Et... Mais on avait besoin d'avoir la bonne combinaison. On avait besoin d'avoir la bonne clé. Des fois, il y avait sept, huit clés, mais tu as besoin de la bonne clé. Et j'aimerais te dire que Jésus est cette clé. Jésus est ce sceptre. La Bible va dire qu'il est le sceptre de justice qui te permet d'entrer dans la présence de Dieu. Jésus est cette clé. Jésus et cet accès vers le roi ne te gêne pas pour aller en sa présence. Voici ce que Star fait, elle approcha et toucha la pointe du sceptre. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui veut aller dans la prière ou tout le monde qui va commencer à parler à Dieu. Parce que tu peux avoir peur de Dieu. Pour plein de raisons. Aujourd'hui, tu peux dire Moi, j'ai peur de Dieu. J'ai peur de ce qui pourrait m'arriver. J'ai peur qu'ils qu n'entendent qu pas mes prières. Il peut avoir toutes sortes de raisons pourquoi tu as peur. Esther a simplement fait un acte de foi. Elle va vers le roi et elle espère en son Dieu qui va lui ouvrir la porte, qui va lui donner gain de cause, qui va lui donner faveur, à la grâce. Et moi, je veux t'encourager à aller dans la prière. C'est un acte de foi, mais voici la bonne nouvelle que Hébreu va nous dire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui le craignent. Dieu est ton rémunérateur. Encore une fois, un Hébreu va dire, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Tu peux t'approcher avec assurance parce que déjà que Christ a payé pour tes péchés, tu es complètement justifié, tu peux venir comme un enfant devant lui, t'approcher avec assurance. Jacques va dire, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. On continue. Verset 3, le roi lui dit, qu'as-tu? Reine Esther, quelle est ta requête? Jusqu'à la moitié du royaume, elle te sera accordée. Wow! Il se passe quelque chose ici. Il va lui dire, qu'as-tu? Et j'aimerais juste te dire que la prière est le moyen choisi de Dieu pour demander. C'est important. C'est la prière que Dieu choisit pour demander. Il va dire, le roi va dire, qu'as-tu? Si je parle à quelqu'un, hein, puis là, là, le cas-tu, ce pas comme Hey, salut, ça va Des fois, on va dire ça, puis finalement, on ne pose pas vraiment la question, est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu as? Mais si tu t'arrêtes avec quelqu'un, tu dis Qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu? Je, je ressens quelque chose, qu'est-ce que tu as? On a besoin d'une conversation pour pouvoir entrer en profondeur dans le cœur. Et de la même manière, Dieu a choisi la prière pour que tu puisses lui dire Qu'est-ce que tu as aujourd'hui Qu'est-ce que tu as en ce moment Quelle est la lourdeur qui est sur ton cœur Tu regardes à ta vie, tu regardes autour de toi, puis il y a une lourdeur qui est là, puis tu ne le partages pas à personne parce que personne ne t'écoute, personne n'essaie de te comprendre. Tu peux te déverser en Dieu Quelle est ta lourdeur Quelle est la douleur de ton cœur en ce moment Peut-être la séparation que tu vis, un deuil que tu vis, une douleur profonde et réelle qui est là. Dieu comprend cette douleur-là. Quel est le malheur dans ton cœur en ce moment? Qu'est-ce que tu as? Comment va ton cœur aujourd'hui? Ne te prive pas d'aller dans, dans la présence de Dieu et de parler avec Dieu. La prière est le moyen choisi. Philippiens 4,6 va dire. De, de faire toutes sortes de prières, toutes sortes de supplications, d'actions de grâce. et Il va dire, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Quoi que, quoi que ce soit, fais connaître tes besoins à Dieu. Dieu n'a pas promis qu'il allait répondre instantanément à ta prière. Il n'a pas dit ça. Mais voici ce que le texte dit et ce qui, qui m'encourage qui énormément. Alors que tu fais connaître tes besoins à Dieu, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui surpasse. Toute, toute rationalisation qui surpasse toute philosophie, qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Ce que tu as besoin, ce n'est pas d'une réponse immédiate de Dieu. Ce que tu as besoin, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu qui, qui te dit, je m'en occupe. Je suis déjà au courant de ce que tu vis. Je suis déjà en action pour que tu puisses reconnaître ma gloire à travers ce que tu vis. Prière, le moyen choisi de Dieu pour demander. Et ce que le roi va dire, il va dire, ⁇ Qu'as-tu ?⁇ Et ensuite, il va dire, ⁇ Quelle est ta requête ?⁇ Quelle est ta requête ?⁇ Et, et je veux juste t'encourager ce soir à, à être précis dans tes prières. Parce que je sais que des fois, j'ai l'impression que c'est comme un jeu d'or ou un jeu de fléchette. Hein? Vous savez, c'est quoi un jeu de fléchette C'est sûr qu'on va essayer de toucher la cible. Mais des fois, là, c'est comme... Hey, si je peux juste réussir à toucher le jeu. <laughs> Puis peu importe où tu vises, peu importe, en autant que je réussisse à toucher le jeu, mais ça ne marche pas, ce n'est pas ça le but du jeu. Et des fois, on lance des prières un peu n'importe comment où on va dire Ok, Seigneur, je te prie pour que tu puisses sauver des âmes. Amen. Je suis d'accord avec ça. Mais pourquoi pas prier pour le voisin à côté de chez toi? Parce que lorsque Dieu va agir, tu vas le voir de tes yeux. Et ça va t'encourager, ça va te fortifier. Il y a eu un moment où euh, euh, une personne à l'église demandait des prières pour son conjoint qui n'était qui pas sauvé, qui ne connaissait pas Jésus. Et ça, c'était une prière précise. « On te prie pour le salut de son âme. Interviens dans sa vie, Seigneur. » Et peu de temps après, Dieu a agi précisément. Ça l'a permis de fortifier notre foi encore une fois. Sois précis dans tes prières. Jésus a dit la chose suivante à un aveugle lorsqu'il marchait sur le chemin. Il dit Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Et quand tu lis ça la première fois, tu dis Bien, ça me à la place de l'aveugle. C'est comme, ben là, Jésus, allume. <laughs> tu as des yeux, tu vois bien que je ne vois pas. C'est comme, c'est évident, qu'est-ce que je veux, me semble. Mais non, Jésus demande Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi L'aveugle pourrait dire, écoute, euh, j'ai faim, j'aimerais ça que tu me donnes à manger. Il aurait pu dire, écoute, euh, j'ai pas d'argent, j'ai besoin d'argent. Mais c'est pas ça qu'il fait. Jésus voulait justement que cet homme soit précis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et alors qu'il dit que je recouvre la vue, Jésus lui a recouvert la vue. Non seulement pour lui, mais tous les gens autour pouvaient voir que. Euh, euh, Dieu a répondu de manière précise à une prière, à une demande qui a été faite. Et là, je sais que tu dis oui, mais moi, Seigneur, j'ai prié souvent. Dieu n'a pas toujours répondu. Matthieu 7 dit demandez, vous recevrez. J'ai demandé, mais j'ai pas reçu. Puis un des grands problèmes euh, que nous vivons, c'est ce que Jacques va dire. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour vos propres passions, pour euh, euh, dire peut-être à tout le monde que oh, Dieu a fait quelque chose dans ta vie, puis il y, y a même un, un orgueil qui prend place ici, puis des fois ça nourrit même nos convoitises, nos, nos désirs, etc. Donc, des fois on demande mal, mais tout ce qu'on demande devrait être pour le seul but de la gloire de Dieu. Que les gens voient la puissance de Dieu, comment Dieu est glorieux. Ce n'est pas pour t'élever toi, c'est pour élever le nom de Dieu. Et ce que j'aime d'Esther, elle aurait pu faire une requête personnelle. Tu sais, Seigneur, c'est pas évident, je suis avec un roi méchant. Il profite de moi. Oui, je suis sa reine, mais en même temps, il couche avec plein d'autres femmes dans le harem, puis, oh Seigneur, délivre-moi de là, je veux juste sortir du royaume, puis etc. Puis elle aurait pu juste sauver sa vie à elle, puis laisser faire les Juifs. Mais non! Elle est allée au risque de sa vie de dire non, je viens pour faire une prière pour le peuple. Et je crois qu'on a besoin d'apprendre en tant que chrétiens de ne pas seulement prier pour nous, nous et nous, mais de prier pour euh, l'Église de Jésus, de prier pour nos frères et nos sœurs à côté. La Bible nous exhorte de prier les uns pour les autres. La prière n'est pas juste individuelle, elle est collective. Elle est collective. Et le roi va dire Écoute, Maintenant que tu me dis ta requête, je suis prêt à te donner la moitié du royaume. Hein Des fois, on peut dire, hey, c'est un bon deal. Puis je sais que ça ne vous arrive pas à vous. Okay? Mais des fois, on va dans la prière, là, puis on essaie de marchander avec Dieu. Regarde, Seigneur, là, là si, si je commence à te servir, ben, je prie que tu me donnes la job que je veux. Ou, ouais, Seigneur, si je vais recommencer à l'église, mais ça serait le fun que tu me trouves quelqu'un pour que je puisse me marier. Et là, il y a vraiment comme un marchandage qui est là. Et, 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 et notre monde va essayer de te donner tout ce que tu désires. Et dans la prière, tu essaies de, de, de... Tu vois Dieu un peu comme un Père Noël où il va te donner. À chaque fois que, que tu parles, puis tu marchandes, tu t'en rends pas toujours compte, mais tu es en train de marchander avec Dieu. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, la prière. C'est toujours pour la gloire de Dieu. Et alors que le roi voulait donner à la moitié, réalise. Quand Jésus, il a tout donné à 100%. Jésus ne s'est pas donné à moitié. Lorsque tu as placé ta foi en lui, il n'a pas juste dit « Ok, je vais te donner juste à moitié si tu gentil. Puis, euh, si jamais tu es sage, hein, ben, je, je vais te donner l'autre moitié à un autre moment donné. » Quand tu vas avoir fait tes preuves. Non, non, non. Jésus ne s'est pas donné à moitié. C'est donné pleinement à la croix pour tous tes péchés passés, présents et futurs. Et tu peux venir avec assurance devant lui. N'aie pas peur de venir devant Dieu. On poursuit verset 4. Esther lui répondit Si cela te semble bon au roi, daigne venir aujourd'hui avec Aman au banquet que je donne pour toi. Le roi dit Pressez Amman de donner suite à l'invitation d'Esther. Le roi et Aman vinrent au banquet que donnait Esther. Pendant le banquet, le roi dit à Esther Quelle est ta demande Elle te sera accordée. Quelle est ta requête Jusqu'à la moitié du royaume, elle sera exaucée. Esther répondit, Ma demande, Ma requête, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, au roi, et s'il te semble bon de m'accorder ma demande et d'exaucer ma requête, daigne venir avec Aman au banquet que je donne pour vous, et demain je ferai selon ta parole. Waouh, il se passe quelque chose ici-là. Le point précédent, le roi dit, Dis-moi ta requête, puisque Esther va faire, c'est, OK, je t'invite à une fête, je t'invite à mon banquet. Et là, alors qu'il est au banquet, pour une deuxième fois, il va dire, OK, c'est quoi ta demande? C'est quoi ta requête? Et encore une fois, il veut y offrir la moitié du royaume. Et là, Esther, la seule chose qu'il répond, c'est Ok, demain, viens à la fête, puis je vais te dire c'est quoi ma requête. Ça, moi, être euh, euh, dans l'environnement d'Esther, c'est comme bien là, tu me niaises. Il t'a demandé c'est quoi la requête Tu as l'opportunité de, de, de créer une délivrance pour le peuple. Tu es vraiment en train de me niaiser, Esther. Et j'aimerais faire une parenthèse ici lorsqu'on parle du demain. Parce qu'il y a un plan bien précis à ça. Mais permets-moi de faire une parenthèse sur oh, le demain, je ferai selon ta parole. Je crois que ça, ça, ça touche beaucoup d'entre nous. Que tu sois chrétien ou pas, mais les chrétiens, on va procrastiner. Combien de fois tu sais que tu as libre accès au Père, en la personne de Jésus, tu as libre accès à la prière, mais tu, tu, tu n'utilises pas la prière. Tu remets à demain. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Ah, aujourd'hui, je suis occupé. Tu regardes ton heure, puis ah, chaud, je me suis levé trop tard. Et continuellement, tu remets, tu remets, tu remets à demain. Invite Jésus aujourd'hui à ta table. Esther a dit, viens aujourd'hui à ma table. Je t'invite à inviter Jésus à ta table. Apocalypse 3.20 va dire, voici, je me tiens et je frappe. C'est Jésus qui dit ça. Je tiens et je frappe et j'entrerai à celui qui m'ouvre la porte et je souperai avec lui. Invite Jésus aujourd'hui, n'attend plus. Mais si vous me permettez de revenir sur le, 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 le contexte du demain que Esther parle ici, alors qu'on pourrait être outré de dire, bien, voyons donc Esther, tu as manqué une opportunité. Non, 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 il y a un plan le timing divin. Et la quatrième vérité, c'est que la prière agit selon la stratégie de Dieu. Nous, on est plein de stratégies dans la prière. On aime dire à Dieu quoi faire. Hein? On aime dire à Dieu quoi faire, mais Dieu sait déjà ce qu'il va faire. Je ne sais pas si tu connais le jeu risque, mais c'est un jeu euh, où tu dois euh, conquérir des territoires. On a chacun des, des, des armées différentes, tu peux être deux, trois, quatre joueurs, peu importe. On a des, des armées qui se combattent et euh, il y a toujours des, des, des stratégies à ce jeu. Et il y en a pour essayer de gagner des territoires, ils vont essayer de toutes les avoir d'un coup. Et il y en a d'autres qui vont prendre leur temps, ils vont réfléchir, ils vont dire Non, non je vais commencer à fortifier mon armée avant d'attaquer. Il y a différentes stratégies. Et ça représente souvent la stratégie du chrétien. Des fois, c'est comme on, on peut s'épuiser et s'époumonner juste à prier, 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 puis en, plus qu'on va prier, plus que Dieu va agir. Puis tu penses qu'à force de parole, Dieu va répondre. Mais parfois, dans le timing de Dieu, Dieu veut t'apprendre à être patient. Ici, le texte nous dit demain. Okay, reviens demain, puis je vais te dire ma requête. Tu as besoin d'apprendre à être patient. De faire confiance à Dieu. Dieu a son timing. Je sais que tu as ton timing, mais Dieu a son timing et le timing de Dieu est supérieur à ton timing. Même Jésus. Il y a des moments, Jésus est celui qui priait le plus. Et il y a un moment, il va dire Mon heure n'est pas encore venue. Des fois, il guérissait des gens, puis il va dire Dis-les pas à personne. Il ne faut pas le dire tout de suite. Il ne voulait pas que les gens voient tout de suite qu'il était le Messie, ça allait avoir des implications sur le plan que Dieu avait préparé. Donc Jésus lui-même savait et attendait le moment voulu de son Père pour aller à la croix. Maintenant, alors que demain appartient à Dieu, avec ce que tu vis aujourd'hui, avec tes défis aujourd'hui, viens, invite Jésus aujourd'hui. Invite Jésus aujourd'hui et laisse demain à Dieu. On continue verset 9. Ce jour-là, Amman sortit joyeux, le cœur content. Il sort de, 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 de son banquet, le cœur joyeux, le cœur content. Ça veut dire qu'il en a bu un petit peu trop. Okay? Soudain, Amman vit Mardoché à la porte du roi. Celui-ci ne se levait pas et ne tremblait pas devant lui. Alors Amman fut rempli de fureur au sujet de Mardoché, mais il se domina et rentra. Chez lui. Le cinquième élément, c'est que la prière te donne de l'assurance. Il faut voir ici que la confrontation entre Amman et Mardoché se poursuit. De, de mémoire, c'est la troisième fois qu'ils se croisent sur le chemin et que Aman voudrait que Mardoché se, se prosterne devant lui et à chaque fois, Mardoché est debout. Et là, le texte nous dit qu'il ne tremblait pas devant Amman. Il y a deux réactions ici, et deux réactions qu'on peut avoir en tant que croyant. Lorsque tu ne pries pas, tu as la réaction d'Aman, c'est-à-dire qu'il y a un rien, un rien ne te, te fait passer de la joie à la tristesse. Si tu es un fan du Canadien de Montréal, en 2021, alors qu'ils étaient en finale de la Coupe cette année, je suis convaincu que tu disais enfin. Cette année, c'est l'année où on va gagner notre 25e Coupe Stanley. Et ils arrivent en finale de la Coupe Stanley. Qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent en cinq matchs. Et je suis convaincu que tu es passé de la joie extrême à la tristesse extrême. Et ça, c'est révélateur pour le chrétien d'une vie qui manque de prière. Tu t'appuies sur toi-même. Tu dépends sur toi-même. Tu dépends des circonstances autour de toi. Si je te posais la question, qu'est-ce qui te rend joyeux aujourd'hui? Tu pourrais dire, bien, ce qui me rend joyeux, moi, c'est d'avoir une épouse, c'est d'avoir une famille, c'est d'avoir un bon travail, c'est d'exceller dans le domaine sportif que j'ai. Qu'est-ce qui te rend joyeux? Mais si tout ça se perdait, est-ce que tu perdrais ta joie aussi? Et c'est important que tu puisses garder ta joie en Jésus. Est-ce que... Est-ce que. Bon, il peut y avoir bien des, des éléments, des, bien des, des façons où tu peux perdre ta joie. Mais est-ce que tu es joyeux seulement lorsque tu te sens béni de Dieu? Lorsque tu sens que la main de Dieu est sur toi, ou Dieu a répondu à ta prière, puis là, wouhou! là, tu es super content, pendant un mois, tu viens à l'Église à chaque semaine, puis tu es en feu. Et là, il t'arrive une situation que finalement, Oops, on ne voit pas à l'Église pendant trois mois. La situation qui te rendait joyeux t'a enlevé cette joie. Et affecté et tu es maintenant triste. J'aimerais te dire, rempli d'amour et de grâce, que ce qui t'enlève le plus ta joie en tant que chrétien, c'est lorsque tu poursuis un péché. Si en ce moment tu poursuis un péché dans ta vie, et Aman, c'est ce qu'il faisait. Aman, il, il en voulait amardocher au point qu'il voulait anéantir tout le peuple au complet il était animé par son péché de haine et de colère et tout ça enlève la joie je veux juste te dire ce matin remets ça à Jésus remets ça à Jésus et voici ce que Mardochée on voit il était rempli d'assurance et pourquoi Mardochée était rempli d'assurance je suis Parfaitement convaincu, alors qu'il sortait lui-ci de ce trois jours euh, de jeûne et d'appui sur qui Dieu était, sur la souveraineté de Dieu. Il était rempli de confiance et entièrement dépendant de lui. Donc, Mardoché était rempli d'assurance. Lorsque j'étais à Cuba en 2017, euh, on, on a pu faire une activité euh, sur le, euh, un catamaran. Donc, tu vois sur l'océan et tu, tu vas quand même assez loin sur l'océan. Et sur le coup, je me disais. Euh, avec mon épouse, puis pas juste nous deux qui va aller là-dessus. Là. là, tu vois les vagues, tout ça, puis là, tu sais, okay, il y a des requins, des animaux marins, tu dis, vas-tu nous arriver quelque chose, puis tout ça. Puis là, on a dit, non, 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 il y a quelqu'un qui va aller avec vous, quelqu'un qui a la compétence de pouvoir aller sur le catamaran avec vous. Oh, quel soulagement! Et quel soulagement de savoir que notre assurance est pas basée sur notre capacité à nous, mais sur la capacité de, de Dieu. Les actes des apôtres, alors qu'ils priaient, c'est-à-dire, ils étaient remplis de l'Esprit, remplis d'assurance. L'apôtre Paul, au moment donné, il a dit à l'Église, priez pour moi afin que je sois plein d'assurance. Donc lorsque tu pries, tu es rempli de cette assurance à cause que Dieu est capable. On poursuit. Le verset 11. Voici ce que Amman fait. Il envoya chercher des, ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur conta sa richesse prestigieuse, le nombre de ses fils, toutes les façons dont le roi l'avait distingué, en l'élevant au-dessus des princes et des gens de la cour du roi. Et même, leur dit-il, c'est moi et personne d'autre que la reine Esther. La reine Esther a invité avec le roi au banquet qu'elle donnait, et demain encore, c'est moi qu'elle a convié avec le roi. Et pourtant, tout cela ne vaut rien pour moi tant que je verrai ce juif mardoché assis. À la porte du roi. J'aimerais te dire que la prière te garde dans l'humilité. La prière te garde dans l'humilité. Lorsqu'on regarde à Amman, il montre toute sa valeur. Voici la richesse que j'ai. Voici les fils que j'ai. Il en avoir plus que trois, là, sinon il n'y aurait pas besoin de démontrer, ça serait facile à voir. Il y a plusieurs fils qui est là. Il regarde, voyez, et il essaie de s'exalter lui-même, d'impressionner les gens autour de toi. Et je sais que ça s'adresse pas à toi, mais souvent on essaie de montrer comment on est bon à Dieu. Hein, comme ça, si on se présente dans la prière. Voici, Seigneur, toutes mes médailles. Voici tout ce que j'ai fait pour toi. Voici le nombre de fois que j'ai pu nourrir quelqu'un sur le bord de la rue. Voici le nombre de fois que j'ai pu aller à l'Église. Ah, oh, mais tu, sais, tu vois, le nombre de fois que j'ai été bon envers mes enfants. Le nombre de fois que. Et, et tu sors toutes tes médailles devant Dieu comme si tu mérites quelque chose. La prière nous apprend l'humilité nous apprend que nous ne méritons rien. Elle nous apprend la grâce de Dieu. Lorsque tu réalises la grâce de Dieu, il n'y a aucune place à t'élever toi-même. Parce que tu sais que l'accès que tu as à Dieu est une grâce devant Lui. Mais la prière t'amène à voir à ton péché, comment tu es petit, comment tu es faible et comment tu avais besoin d'un sauveur en la personne de Jésus. C'est ça que la prière fait. La prière te garde dans l'humilité. Amman en rajoute, il va dire, tout ce que j'ai, il voulait impressionner, puis exalter, puis tout cela ne vaut rien tant que je verrai ce juif mardoché. En plus de montrer ses, ses médailles, puis d'être orgueilleux dans la prière. Nous, on peut être orgueilleux dans la prière. En plus, il se plaint dans la prière. C'est pas assez. Puis des fois, on prie le Seigneur. Tu sais ce que je veux. Mais tu sais, tant que ça, c'est n'est pas réglé, là. Ça va être difficile pour moi. Tant que mon mari, là, il ne me pardonne pas. Là. Tant que mes enfants ne me parlent pas. Là, ça va être difficile. Et il y a une plainte qui est là continuellement dans nos vies. On crie à l'injustice. On crie au manque. La prière, chers amis, nous amène à l'humilité. La parole nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur. Et il vous élèvera. Pas dans le sens que, OK, je vais m'humilier pour que je sois élevé, pas sur une forme d'œuvre, mais de réaliser que je ne suis rien. Dieu est tout. Dieu est saint. Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est glorieux. Qui suis-je devant lui? On s'humilie devant lui. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est humilié lui-même pour aller jusqu'à la croix et en autant voulu Dieu le souverainement élever afin qu'on puisse regarder à lui. Réalise que ta propre valeur, elle est en Jésus-Christ. Et je termine, verset 14. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent, qu'on dresse donc une potence haute de 50 coudées, et demain matin, tu demanderas au roi qu'on y pende Mardoché. Tu peux donc aller joyeux au banquet avec le roi. La chose plut à Aman. Il dressa la potence. Wow! Ici, il n'y a plus rien qui va. Rien ne va plus. Esther a toujours rien dit. Hein, c'est encore après le premier banquet. Lorsqu'elle a dit demain, là, là, tu commences à te rappeler, là, ouais, ouais c'est ça, Esther a dit demain, hé, hey, t'aurais dû allumer la grande. Esther a toujours rien dit, et là, Mardoché dresse la potence. Et je vais revenir à la potence. As-tu l'impression que des fois, tu pries? Et plus tu pries, plus c'est pire. Puis tu as l'impression que les épreuves arrivent. Tu as confiance en Dieu et tu pries que Dieu puisse t'écarter de cette épreuve, mais les épreuves sont encore amplifiées. Est-ce que ça t'arrive des fois? Hein? C'est comme si tu fais un dessin, puis tu veux retoucher ton dessin, puis finalement tu regrettes d'avoir retouché ton dessin parce qu'il me semble qu'il était plus beau avant. Des fois, dans la prière, c'est ce que ça fait mais tu dois réaliser qu'il y a un combat spirituel qui est réel. Et la septième vérité, c'est que la prière te fait persévérer. Si tout était réglé du premier coup, tu n'apprendrais jamais la persévérance. Tu n'apprendrais jamais la patience. Tu n'apprendrais jamais la confiance. Tu n'apprendrais jamais la dépendance. Et la prière est là pour te faire persévérer. Et je crois qu'il y a trop de chrétiens qui sont défaitistes. Hein, que c'est comme perdu d'avance. Souvent, un, un sportif, on va dire il faut que tu anticipes ta partie comme si tu es capable de battre les meilleurs. Parce que si tu pars avec la pensée que Ouf, ça va durer à soir, on va sûrement perdre, eh bien, tu vas perdre. Puis, il y a plein de chrétiens qui sont comme ça. Tu vas dans la prière, mais tu vas de reculons. Tu n'es pas sûr que ça va marcher. Puis, tu sais, ça fait longtemps que je prie pour un péché puis je vais encore aller devant Dieu, je vais encore demander pardon puis ça si va faire comme les autres fois, je m'en sortirai pas c'est sûr que si tu penses comme ça, tu t'en sortiras jamais. Mais regarde aux promesses de Dieu, regarde à ce que Jésus a dit, regarde à l'œuvre de Jésus dans ta vie qui est venue, prendre un cœur de pierre, en faire un cœur de chair, un cœur qui est malléable, un cœur qui veut transformer à sa gloire. Lorsque tu réalises tout ça, lorsque tu réalises que Jésus a été vainqueur, tu peux arriver dans la prière avec un cœur de guerrier. Tu peux arriver dans la prière en disant, aujourd'hui je suis victorieux dans le nom de Jésus. Malgré que tu as l'impression que la victoire n'est pas encore là, que la prière n'est pas encore répondue, tu peux continuer de persévérer parce que tu sais que Dieu n'est pas menteur. Crois à ce que la parole de Dieu dit. L'apôtre Paul a dit, priez sans cesse. C'est de la persévérance, ça, mes amis. Pas seulement prier une fois, mais prier sans cesse. Et mon plus grand souci, je vous dirais, ces temps-ci, c'est... Qu'est-ce qu'on va laisser à la prochaine génération? Je regarde lorsque j'ai grandi, lorsque j'étais jeune, et je regarde aujourd'hui. Deux mondes complètement différents. Puis je sais, il y en a, vous avez peut-être des 70, vous avez peut-être 80 ans, vous dites <laughs> Tu n'as rien vu. Moi, j'en ai vu des changements. Puis je comprends. Mais en deux générations, trois générations, comment ça a changé incroyablement? Et je me dis Qu'est-ce que je vais laisser comme héritage? Qu'est-ce que je vais laisser à la prochaine génération? Et au portail, on veut laisser la bonne nouvelle de Jésus. Ça, c'est non négociable. On laisse la bonne nouvelle de Jésus. Mais je veux laisser l'héritage aussi à la prochaine génération de la persévérance dans la prière. Alors qu'aujourd'hui, on, on ne persévère plus pour rien. Ça ne fait pas ton affaire, ton travail, tu vas changer de travail. Tu une relation qui ne fait pas ton affaire, tu vas changer de relation. Alors que ça se corse un petit peu, qu'il y a des épreuves, c'est comme, OK, je vais aller ailleurs, on va fuir. Il n'y a plus de persévérance. Et c'est malheureux. Parce que tu vois tellement la bénédiction de Dieu lorsque tu persévères. Parce que oui, c'était difficile, oui, c'était éprouvant, oui, c'était souffrant. Mais lorsque Dieu te relève, tu es victorieux, tu marches dans la victoire et tu vois comment Dieu a été bon envers toi. La persévérance. Et en conclusion, les derniers mots de ce texte, Aman dressa la potence. Et lorsqu'on parle de potence, on parle d'un bois qui était haut d'à peu près 75 pieds. Et l'idée, c'était que tout le monde puisse voir, voici. Euh, notre criminel, voici notre ennemi, voici celui qui devait mourir. Et la, la, la potence était préparée pour Mardochée pour dire voici, ça va être le moment où le peuple juif va commencer à trembler, voir l'extermination des juifs. Mais lorsqu'on parle de potence, tu regardes à la parole de Dieu. Et lorsqu'on parle de la croix de Jésus, on dit que Jésus était pendu au bois aussi. C'était cette forme de potence là. Et alors que, de la même manière qu'Aman disait « Ça va être fini euh, des Juifs », il y a eu un moment où Satan s'est dit « Ok, alors que Jésus était dans le jardin, il a pris Judas Il dit « Toi, tu vas trahir Jésus. » Et là, Satan a rempli le cœur de Judas. Il est allé livrer Jésus et j'imagine Satan se dire « ah 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 ah, ça en est fait de Jésus. Ça en est fait du christianisme. Ça va être fini. Il va être pendu au bois. » Et alors qu'il est au bois, les gens disaient <laughs> « il y a sauvé les autres. Il ne peut pas sauver lui-même et tout ça. » comprenait pas que ça faisait partie du plan de Dieu, que Jésus devait mourir à la croix afin que nous soyons réconciliés avec le Père. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une défaite de Jésus, ce n'est pas une défaite du christianisme, mais c'est une victoire que nous avons vécue dans la personne de Jésus. Oui, il est mort, mais il est ressuscité. Et aujourd'hui, nous avons la vie en lui. Le livre d'Esther est encourageant à cause de la victoire de Christ. Et je veux juste t'encourager aujourd'hui à placer ta foi en Jésus. Même si tu ne sais pas ce que demain va être fait, demain appartient à Dieu. La fin de l'histoire, la fin de ton histoire appartient à Dieu. Maintenant, aujourd'hui, invite Jésus à ta table. Invite Jésus dans ton cœur. Prions. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour cette grâce que tu nous accordes en nous donnant accès au Père à cause de ton œuvre à la croix. Alors que nous étions séparés de toi, tu t'es fait l'intermédiaire pour pouvoir nous réconcilier avec le Père. Merci pour cette action. Merci pour ce sacrifice. Et Seigneur, aujourd'hui, on veut venir avec confiance dans la prière. On veut venir avec assurance dans la prière, sachant que les résultats ne dépendent pas de nous, mais dépendent de toi. Sachant que tu as tout vaincu, Seigneur. On peut venir avec assurance. Je prie que des gens ici qui m'écoutent puissent oser aller dans ta présence, qu y a des demander, que, que des gens puissent oser demander, que des gens puissent demeurer attachés à toi et à ta parole, Seigneur. Je prie que tu puisses susciter des intercesseurs persévérants, non seulement pour leur propre vie, mais les gens autour d'eux, leurs familles qui se perdent, leur voisinage qui se perdent, les gens dans l'Église qui ont besoin de toi, Seigneur, qu'on puisse persévérer. Le combat est réel, la confrontation est réelle. Et la prière nous amène, Seigneur, à dépendre de toi, qu'en toute chose, Seigneur, nous puissions dépendre de toi. À toi soit la gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez été encouragés, édifiés, exhortés à travers ce message-là et que vous allez revenir nous visiter. Euh, si vous avez entendu ces vérités-là sur la vie, sur Dieu, sur l'univers, sur votre propre cœur pour les premières fois et que vous seriez curieux d'en savoir plus, écrivez-nous à info-commercial-église-de-portail.com. À Ça va nous faire plaisir d'entrer en contact avec vous, de répondre à vos questions, vos hésitations par rapport à la foi. Et cette invitation aussi à nous écrire est valable pour vous qui avez des défis, des épreuves, des souffrances dans vos vies, vous aimeriez qu'on prie pour vous pour quelque chose de particulier. N'hésitez pas à nous écrire, ça va vraiment nous faire plaisir, peut-être même éventuellement de passer un temps avec vous si vous en êtes disposé. En terminant, laissez-moi vous remercier pour votre soutien dans l'œuvre du Seigneur qu'on accomplit ici. Comme les premiers apôtres, notre but est de répandre la bonne nouvelle de Jésus dans tous les quartiers, dans les cœurs, dans les foyers. Et si vous aimez notre mission et vous aimeriez, avec nous, répandre l'Évangile, vous avez la possibilité de nous soutenir, nous encourager financièrement via votre institution bancaire ou en nous écrivant à don au pluriel à église de portail.com. On vous remercie pour votre soutien. On vous remercie d'avoir été des nôtres ce matin. On se revoit dimanche prochain. Espérons-le en vrai sur un campus. À bientôt.